Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Pas grand-chose à ajouter sur la séance d'aujourd'hui puisque rien n'a été remis en cause. L'oblique noire qui soutient les cours est restée inviolée, ou presque. Et l'AM7 continue de croître. L'AM20 confirme sa tendance positive. Donc pas grand-chose à dire, on est toujours en tendance haussière. Cependant, j'ai requalifié le canal noir en biseau ascendant, ce qui veut dire qu'au cas où on casserait de manière significative la partie basse du biseau, normalement on devrait aller chercher, en théorie, hein, la base du biseau, à savoir les 3700, à voir demain. Ça risque d'être assez tendu parce que nous avons fermé juste au contact de du bas du biseau, c'est-à-dire que si demain on ouvre sur les mêmes niveaux, on gaperait, hein, le biseau, ce qui ouvrirait la voie donc à des forces vendeuses qui nous amèneraient sans doute à aller tester les M7. Alors, un autre truc important, c'est que nous n'avons toujours pas eu droit à notre pullback sur la moyenne mobile à 20 séances. C'est-à-dire que depuis qu'on l'a cassé le 23 mars, on n'a toujours pas assisté à une prise d'appui sur la M20. Ça n'arrive jamais. À un moment ou à un autre, on va revenir vers la M20. Donc il y a des chances pour qu'on aille chercher les 3930, la M20, clairement, si on casse le biseau. N'oublions pas que les biseaux ascendants sont à implication baissière normalement, hein. Alors les indicateurs techniques sont toujours aussi bien orientés. MACD positif au-dessus de son signal, momentum positif aussi, et le stochastique est très clairement en zone haussière, puisqu'il est même en surachat. On continuera de s'émouvoir de la présence de la divergence baissière cachée sur le stochastique, hein, puisqu'on n'a toujours pas fait de plus haut sur les cours, alors que nous les avons fait sur l'indicateur. Alors, si vous voulez acheter le CAC, si vous êtes haussier, ben, solution numéro 1, vous achetez en espérant qu'on va continuer de graviter, de faire des rotations dans le biseau, donc aller chercher à très court terme les 4091 qui correspondent au plus haut du 3 mars, hein, et puis également maintenant en haut de la fourchette d'Andrews bleu. Si vous êtes prudent, vous attendrez le fameux pullback sur la M20 pour acheter. Maintenant, si vous êtes baissier, ben, deux solutions, hein, soit vous attendez effectivement qu'on aille chercher et qu'on échoue à passer le haut de la fourchette d'Andrews bleu, soit vous pouvez shorter tout de suite. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous avons inscrit aujourd'hui en terminologie de chandelier japonais un harami baissier, c'est-à-dire qu'on a une bougie dont le corps aujourd'hui est compris à l'intérieur du corps de la bougie précédente, celle de vendredi. C'est un harami baissier. Bon, il n'est pas pur parce que la mèche dépasse un petit peu, mais dans l'esprit, c'est un harami baissier, on va dire de facture assez médiocre, mais c'est un harami baissier. Voilà, donc vous pouvez éventuellement shorter sur les niveaux actuels en jouant le harami baissier. Quant à moi, hein, je vous rappelle, hein, on est au-dessus d'une M20 croissante, donc je considère qu'on est en tendance haussière, donc priorité a priori aux achats sur repli. Bonne soirée, bon trade, et à demain.